Ce volcan fait partie du patrimoine de l'archipel, le patrimoine de la Guadeloupe. L'activité est principalement souterraine sur ce volcan. En fait, il est très actif en profondeur. C'est un volcan qui crée beaucoup de magma, et le magma remonte très peu. On a quelques permis de forage et d'exploration qui sont en cours. Aujourd'hui, dans le mix électrique de la Guadeloupe, la géothermie, enfin, la production électrique à partir d'énergie géothermique, ça doit représenter à peu près 10% du mix électrique. Puis il y a ce risque effectivement de dégazage, c'est effectivement ce phénomène de vapeur d'eau sous pression, très violente, à l'échelle du volcan. Et là, on est en train de préparer par exemple avec l'Observatoire de volcanologie, un arrêté du préfet qui délimite ces zones. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui permet effectivement sous condition, en étant accompagné avec des groupes, avec des accompagnateurs, de monter dans la partie, je dirais, cratère du volcan. Le volcan est vraiment très observé, il y a des points de mesure partout, sous le contrôle de monsieur le directeur. Donc c'est vraiment un volcan où il y a un travail scientifique très important de surveillance du volcan. Donc là, on est vraiment dans la nécessité de bien communiquer sur l'activité du volcan et de partager le travail scientifique formidable qui est fait par l'Observatoire de volcanologie. Ça devient calme quand le bateau est parti. Il n'est pas encore parti, mais les gens sont déjà sur la barque à verre. Elle était là, la gendarmerie. Bonjour, tu vas bien? Oui, toi. Edouard, ça va? Bonjour. Monsieur. Bonjour. On est là le matin à l'arrivée de la bateau, déjà pour montrer aux touristes qu'il y a des gendarmes sur l'île. Et ça nous permet aussi de visualiser quelle population arrive. Voilà. Alors ici, on est devant un barrage anti-sargasse, c'est ça? Voilà, donc c'est un barrage, disons, entre guillemets, anti-sargasse, puisque la technologie même de barrage parfaite n'existe pas encore, donc il s'agit vraiment d'une adaptation vraiment très travaillée. Donc on a quand même un développement de quelques années sur cette technologie de barrage. Donc sur cette portion de barrage, l'idée c'est de dévier de Bémao jusqu'à Petit Bon. Et sur Petit Bon, en fait, nous aurons une zone de collecte. La section légère d'intervention, donc c'est une section composée de marsouins et de volontaires un peu à tout faire, qui touchent aux tronçonneurs, qui déblayent à la main, qui chargent les bennes, etc. Salut tous. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Basse-Terre, à la préfecture de région Guadeloupe, et nous allons rencontrer les différents services de l'État. Nous n'avions pas de problème lié à l'effondrement. D'accord. Il se trouve que en 2010, pendant que nous étions sur place en train de faire toutes les études pour la restauration, s'est produit le tremblement de terre à Haïti. Pratiquement tous les ingénieurs qui travaillaient dans la construction sont allés en Haïti pour voir, et quand ils sont revenus, et notamment l'ingénieur qui travaillait avec nous sur la restauration, quand il est revenu, il a dit « J'ai trouvé des similitudes avec le palais du président d'Haïti qui s'était complètement effondré sur lui-même ».